Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Alors aujourd'hui, nous allons voir une vidéo purement technique pour apprendre à faire le point de mosaïque. Alors le point de mosaïque, il y a deux techniques. J'en ai retenu une qui me paraît la plus jolie, la plus simple, la plus facile à comprendre et qui donne un rendu super. Je vous donne quelques exemples. J'ai fait donc quelques essais. Voilà. Et c'est vraiment facile à faire. Donc je vais vous expliquer comment le faire, comment lire un tableau de points mosaïques. En fait, toute la technique, quoi. Voilà, vous allez presque devenir incollable, hein, presque, sur le point mosaïque. Pour Allez, c'est commencer, je parti. vous ai fait un tout petit tableau avec juste une ligne parce que c'est vraiment pour vous faire voir techniquement comment on le fait. Voilà. Ici, vous avez un petit avant-goût. Là, très basique. Et vous avez vu qu'il y a deux techniques, avec les petites franges et sans les franges. Voilà. Alors, pour enfermer les petites franges, c'est une technique d'une dame, alors je crois irlandaise, hein, si je ne me trompe pas. Ces vidéos sont toutes en anglais. Voilà. Mais notre but, c'est pas d'enfermer. Notre but, c'est vraiment de savoir travailler le point et savoir surtout lire un tableau. Avant toute chose, surtout, quand vous voyez des tableaux, vous voyez des petits carrés sur le net, Pinterest, Facebook, en général, ce ne sont pas des tableaux de mosaïque. Ce sont des tableaux pour les C2C, pour les perles, pour la broderie. Donc, quand vous voyez des dessins, vous voyez avec des graphiques très jolis, un peu comme celui-là, admettons, ce n'est pas des points mosaïques. Voilà, parce que pour créer un tableau de mosaïque, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour que ce soit réalisable en mosaïque. Voilà. Donc, ne vous amusez pas à chercher plein de tableaux, vous allez perdre du temps parce qu'ils ne sont pas adaptés. Voilà. Celui-ci, j'ai pris une base d'un tableau et j'ai tout modifié pour qu'il devienne mosaïque. Donc vous voyez, c'est quand même du travail pour que ça le devienne, hein. Allez, maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Il va y avoir pas mal d'infos, en soi qui ne sont pas compliquées, mais c'est la base. Alors, Allez. avant toute chose, hein, je vous l'avais prévenu un petit peu, c'est un peu technique, hein, donc il y aura autant du technique que du crochet. Avant tout, savoir lire un tableau, surtout le tableau mosaïque. Alors, je vais tout vous dire. On va commencer à gauche parce que c'est comme ça qu'on le lit. On lit de droite. Ouais, de droite à gauche. Alors, ici, vous avez la partie chiffres, c'est la ligne. Ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et vous les faites au fur et à mesure. Les couleurs. Ici, je vais utiliser mon fond. Tout ça, ce sera blanc et mon dessin sera jaune. C'est pour ça que je vous ai mis de la couleur. Hein? Donc, là, alors attention, il ne faut pas se fier au dessin. On se fie à cette colonne-là pour savoir quel fil, quelle couleur prendre. Là, je vais prendre mon fil blanc. Là, je vais prendre mon fil jaune. Là, je vais prendre le blanc. Regardez, pourtant il y a du jaune ici. On s'en fout. On ne regarde que cette colonne-là. Donc ça, c'est votre... Alors déjà, ça vous prend comme repère les lignes à travailler. Et ensuite, les couleurs à utiliser. Ici, cette colonne avec les petites astérisques que l'on retrouve aussi de l'autre côté, on va appeler ça la ligne de démarrage et la ligne de fin, c'est-à-dire que ici et ici, c'est là où il y aura les nœuds. Vous allez comprendre pourquoi après. Ne vous inquiétez pas, tout le long du travail, je vous redirai par rapport au tableau. Et ensuite, hein, il y a deux choses à comprendre. Quand la cellule, là, quand le carré il est vide, hein, c'est une maille serrée qu'on va faire. On va le faire ensemble, hein. Quand vous voyez une croix, c'est que c'est une bride qu'on doit faire. Et on va le voir en concret.
Alors le tableau, le dessin, comme pour tous les crochets, vous avez un multiple. Donc le dessin débute ici. On ne compte pas la partie où il y a le nœud. Hein. On débute ici, on revient ici. Ça vous fait 17 mailles. Mais il nous faut une maille ici, une maille là, pour faire les nœuds. Donc, ce dessin comporte un multiple de 17 et automatiquement, 2 mailles de plus pour faire ça. Donc, en mosaïque, vous avez le point qui est un multiple et vous rajoutez à chaque fois plus 2. Voilà. Ça, c'est pour le travail à plat. Le travail en rond de la mosaïque est autre chose. Hein? C'est la même technique, mais on n'a pas cette partie de nœud. Hein? Donc là, on va faire quelque chose à plat. On va déjà commencer par quelque chose de plus simple. Donc là, vous avez un peu le descriptif comment décoder le tableau. Maintenant, on va faire la pratique avec le tableau. Donc, comme indiqué dans le tableau, j'ai fait 17 mailles en l'air. Quand on a fini, alors, si par exemple, vous voulez faire toute une ligne, vous allez faire 17, 17, 17, d'accord ? Autant de longueur que vous souhaitez. Et à la fin totale de votre maille chaînette, on rajoute les 2 mailles en l'air qu'il nous faut. Ensuite, avant de commencer le point mosaïque, on fait automatiquement une maille en l'air pour pouvoir tourner et travailler. Et le premier rang est un rang de mailles serrées. C'est la base, hein? C'est pour pouvoir après travailler le point mosaïque. Alors là, je vous ai pris un très gros fil. C'est fait exprès pour que vous arriviez à bien voir où je pique. Voilà. Alors, on fait notre rang de mailles serrées. Ça, c'est la base. Ah, excusez-moi, j'ai ma petite chienne qui roumègue. Ah, c'est une alarme sur pattes. Je ne sais pas les vôtres, mais dès qu'elle entend un bruit, c'est... Ça y est. Alors, si vous l'entendez de temps en temps, ne vous affolez pas. C'est normal. Elle n'est pas grosse, hein, mais c'est une gardienne. Alors, on fait notre rang de mailles serrées. Hop. J'ai perdu l'habitude de travailler avec des fils aussi gros, je vous le dis. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est la base. Quoi qu'il arrive, on le fait. Ensuite, alors, je vais jongler, excusez-moi, entre le crochet et le tableau. Donc ici, hop, on va attaquer notre ligne numéro 1. Ce que je vois, c'est ma première rang, ok, il est blanc, donc je reste avec mon fil blanc. Et là, c'est mon nœud, on est bien d'accord, hein? Donc là, on va commencer, mais un point mosaïque, on commence toujours, toujours à droite. C'est-à-dire que votre ami le ciseau, ben là, il va servir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque fin de rang, je coupe mon fil. Alors, vous le coupez d'une certaine longueur, puisqu'après, ça va faire la déco. Après, on va couper bien droit, ça fera de la déco. Hein? Donc, ne me coupez pas à ça. Vous me coupez quand même quelque chose d'une longueur correcte qu'on puisse après retravailler. Alors, pas non plus trop grand, sinon vous allez perdre du fil pour rien. Hein? Et on fait le nœud. Donc, le point mosaïque, à chaque fin de rang, on coupe, on revient au point de départ, c'est-à-dire la première maille. Et cette première maille, ici, et la dernière se travaille vraiment dans la maille. Puisque le reste, ça va se travailler en brin arrière. On va le voir. Donc cette première maille, c'est celle-là. C'est là où j'ai mes astérix, hein, mes étoiles. C'est là où je m'accroche. Hein. Et celle-là, c'est là où je fais mon nœud. On va le voir. Hein. Alors, blanc, ok. Astérix, j'y suis. Ok, donc je prends mon fil.
Je me fais comme une petite boucle. Alors là, c'est pareil. Vous laissez un petit peu du fil ici. Vous pincez. Je prends et je ressors. Je tiens d'un côté mon petit bout de fil. Là, mon fil classique. Hein. Une maille en l'air. Et je reviens dans la même maille, ma première, et je fais une maille serrée. Voilà. À partir du moment où on a fait donc notre nœud dans la maille, ici, on va faire, alors, on voit, donc là, c'est blanc. Tout le long, il n'y a aucune croix, donc c'est que des mailles serrées dans le brin arrière. Tout se travaille dans le brin arrière ou le brin avant. Et on ne fait que dans les mailles, la première et la dernière. Donc là, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent, ce ne sera pas une surprise. Ici, vous avez donc votre maille qui se compose de deux brins. On le voit très bien. Ici, vous avez un brin et là, vous en avez un autre. Nous, on pique d'habitude dans la maille, c'est-à-dire les deux brins. Là, maintenant, on va piquer avec notre crochet. On va venir ici et on va prendre cette maille-là, le brin arrière, c'est-à-dire qu'il est derrière nous et celui-là, il est devant nous. Et on va piquer dans le brin arrière. Allez, c'est parti. Dans le brin arrière, on fait une maille serrée. Donc, je rentre au milieu et non pas devant. Au milieu, je pique et je prends que, vous voyez, mon brin qui est derrière mon ouvrage. Voilà. Et on fait ça donc tout le long de la technique mosaïque, hein, les mailles serrées se font toutes dans le brin arrière. Sauf notre premier rang, mais lui il n'est pas compté dans le point mosaïque, hein, c'est le rang de préparation. Et quand je vais arriver donc à la fin, ça c'est aussi le côté important. Donc là, vous voyez, il va me rester une maille ici. Celle-ci, c'est mon point où il y a le nœud ici. Donc, automatiquement, je rentre dans la maille entière. Cette fois-ci, toute la maille. Je fais une maille serrée. Et je coupe mon fil. Voilà. Et je tire. Hop. Donc, à chaque fois, on coupe. Voilà. Ensuite, que me dit mon tableau? Ligne 2. Donc là, je passe. Alors, pour ne pas se tromper, celui-là, on l'a fait. Celui-là, on est en train de le faire. Donc la ligne 2, je regarde déjà mon ligne. Elle est jaune. Donc, je vais prendre mon fil jaune. Là, je vais faire mon nœud. OK. Et je regarde si j'ai des croix. On regarde pas ça là, les dessins, ils vont se faire tout seuls. Et là, je vois, j'ai aucune étoile, aucune croix. Ok, donc ça va être que des mailles serrées. Allez, ben, c'est parti. Hop. Donc là, je récupère. Ici, ma première maille, celle-ci. Ça, là, c'est juste la maille en l'air qu'on fait au début. On s'en occupe pas. C'est celle-là qu'on s'occupe, de la maille. Donc là, je rentre comme d'habitude.
je vais prendre, hop, mon fil jaune, toujours avec une marge de fil. Je prends ma boucle. Et je fais mon nœud. Ma première maille. Alors là, cette maille là, on s'en fout. On re-rentre dans la même maille et je fais ma maille serrée. Voilà. Donc on a vu tout à l'heure, pas, il n'y avait pas de croix, donc un rang de mailles serrées. Donc toujours pareil avec mon brin arrière. Et je fais ma ligne, toujours dans mon brin arrière. Allez, on fait ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve pour la suite. Maintenant qu'on a fini tous les brins arrière, on n'oublie pas notre dernière maille où on rentre entièrement dans la maille et on fait notre maille serrée. Et on coupe. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on regarde notre tableau pour savoir ce qu'on va faire. Donc ici, on a fini notre ligne 2. On va faire notre ligne 3. Qu'est-ce qu'on voit? Elle est blanche. Donc vous avez remarqué qu'on alterne, on fait blanc, alors on prend blanc, alors vous avez toujours dans, dans la mosaïque votre couleur de fond, c'est-à-dire ce qui est toujours au fond, couleur de fond, et après votre couleur du motif. Voilà. Hein? Donc on alterne couleur de fond, couleur du motif, couleur de fond, couleur de motif. Hein? Donc après on le sait automatiquement, on change de couleur. Mais ici, avec le tableau, ça peut vous aider. On a toujours notre nœud. Et là, on s'aperçoit que on va avoir des croix. Et là où il y a des croix, c'est là où on fait une bride. Et c'est là que je vais vous montrer où piquer. Hein? Allez, donc on va jongler entre le diagramme et le crochet. Allez. Donc je prends mon fil blanc, je rentre dans ma première maille, je prends deux fils, donc votre couleur de fond, moi c'est blanc mais vous ça peut être rose, ce que vous voulez, en sachant que le mosaïque, hein, l'ouvrage mosaïque, quel que soit, que ça peut se faire en coton, en acrylique, en cake dégradé. Par exemple, vous pouvez prendre en couleur de fond tout un cake dégradé et prendre du même un cake uni blanc pour faire les motifs, ou rouge, ou ce que vous voulez. Donc on peut travailler avec tous les fils. Vous pouvez même faire des restes avec des restes, ça vous fait très coloré, c'est super joli aussi. Donc on n'oublie pas notre maille en l'air et on revient dans la première maille et on fait notre maille serrée. Alors, hop, je vais le faire quand même un peu plus pratique. Voilà. Ah, c'est un peu mieux. Donc, ici, on s'aperçoit que là, je viens de faire mon nœud. J'ai 1, 2, 2 mailles serrées puisque c'est vide. D'accord? Donc 2 mailles serrées. On va le faire vraiment doucement ensemble. Donc une en brin arrière, toujours 1 et 2. Ensuite, ici, maintenant j'ai des croix. Ça veut dire que ce sont des brides. La bride, on va l'accrocher. Pas au rang d'en dessous, au rang d'après, d'en dessous encore. On va le faire ensemble. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
bride à faire. Allez. Alors, quand on dit en dessous, c'est-à-dire, alors, je pousse ça parce que sinon j'ai la caméra qui ne va pas zoomer là où il faut. Quand on dit rang en dessous, le premier rang d'en dessous, c'est mon jaune. Et celui-là, on le saute. On va à celui qui est juste en dessous, le deuxième d'en dessous, si c'est français. Donc ici, là j'ai piqué, celui-là on s'en occupe pas. Et on suit le trait. On prend la maille et on regarde pile ce qu'il y a en dessous et c'est la petite boucle là. Je vais vous la faire voir avec l'aiguille. Il faut vraiment prendre en ligne droite celui qui est en dessous. Et c'est là-dedans que l'on va piquer. Tout le long. Et vous voyez que ça correspond à la maille qu'il y a au-dessus. Voilà, ici. Si je prends celle-là, on voit que j'ai déjà ici ma maille serrée. Voilà. Donc toutes les brides hein, se travaillent ainsi. Toutes les cases où vous avez la croix, c'est une bride qui se travaille ainsi. Alors pour l'attraper, il y a la petite astuce. Bon, je fais mon jeté. Et là, c'est un peu difficile, vous voyez, à l'attraper. On va s'amuser avec la pointe du crochet. Donc je tourne et j'attrape ma boucle. Alors, des fois, on ne le fait pas du premier coup, même moi. Hein. Vous voyez, mais là, j'ai pris un fil assez gros, quand même. Et on rentre. Mon jeté, je ressors et je fais ma bride. Alors, vous inquiétez pas, c'est un peu écarté, mais au fur et à mesure qu'on travaille, ça se met en place. Là, j'ai ma maille vide, je vais en dessous. On fait doucement ensemble. Donc je tourne mon crochet et avec ma pointe, je l'attrape. Mon jeté, je ressors et je fais ma bride. Et on va faire ça 13 fois. Et ce qu'il y a 13 brides. Vous voyez, automatiquement, ça descend. Ça se met en place après, ne vous inquiétez pas. Après, il ne faut pas travailler trop lâche non plus. Hein. Attention. Ça fait un peu comme le jacquard, hein, ou un peu le C2C. Il ne faut pas travailler trop serré non plus, mais pas trop lâche non plus. Hein. Donc vous voyez, en fin de compte, j'ai la bride qui prend le dessus sur le jaune. Donc on s'en fout de faire une ligne jaune. Quelque part, le motif va se faire au fur et à mesure avec les brides et les mailles serrées et les couleurs qui vont se croiser. Donc c'est assez facile et ce sont ces deux points-là qu'on fait en mosaïque. Là, vous avez vu les points qu'on utilise. La maille serrée, la bride et les deux brins. Et c'est tout. Je veux dire, ça fait un rendu super joli avec deux points de base du crochet. Je veux dire, on peut pas faire mieux quand même. Hein. Mais moi, j'ai craqué sur ce point-là. Donc on a dit 13, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, et 13. On regarde notre et on confirme 13 et là il nous reste deux cases en maille serrée. On vérifie. En effet, j'ai une. 2, attention, là c'est le point, c'est le nœud, hein, il ne compte pas celui-là. 1, 2, ok. On reprend dans notre bras arrière puisque c'est une maille serrée. Vous voyez pourquoi on fait dans le bras arrière? Parce que ces petits brins de devant, on s'en sert parfois, plus tard, au rang suivant. Et là, je rentre dans ma maille entière et je fais ma maille serrée et je coupe mon fil. Voilà. Ensuite, alors, je vais changer de couleur parce que hein, vous avez compris qu'automatiquement on jongle avec nos couleurs.
que me dit le diagramme? J'ai fait ma ligne 3. Alors ici, vous pouvez très bien, par exemple, barrer tout le long, mettre un post-it qui vous permet de passer d'une ligne à l'autre. Trouvez votre astuce pour ne pas vous emmêler les pinceaux au niveau des lignes. Ma ligne 4, jaune, normal. Mon nœud, normal. Maintenant aussi, hein, le nœud devant, derrière. Là, je vais avoir une maille serrée. Là, j'ai une bride. Là, j'ai une maille serrée. Maille serrée. Tout le long. Et j'ai une bride ici. Allez, on va le faire. Hop. On fait notre maille en l'air. On revient dans la même maille. Hop. Et ah oui, j'ai une caméra qui est capricieuse. Dès qu'elle capte autre chose, en fait, elle fait la netteté sur ce qu'il y a là et plus sur ici mon crochet. Ouh. Alors, on disait. Hop, une maille serrée et une bride. Ok, alors ma maille serrée dans mon brin arrière hein, et ma bride. Donc si je suis montrée, je prends mon aiguille et là c'est occupé. Je prends celle-là, je suis pile là où il faut que je fasse ma bride. Je tourne. Et c'est reparti. Hop, je fais ma bride. Voilà. Ensuite, que me dit? Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je vais faire ma bride au fond. Alors, quand on regarde le schéma, ici, vous voyez, ça correspond là. Parce que c'est juste après, si on regarde le rang d'en dessous, c'est juste après la dernière bride blanche. Ma bride blanche, elle est là. C'est là que je vais faire ma bride jaune. Donc, vous avez ça aussi comme point de repère par rapport aux croix. Donc là, ben, on est parti pour faire les mailles serrées. Oh. Mailles serrées dans chaque brin arrière. Alors en plus, vous avez vu, quelque part, ça penche. On a de suite le bras arrière à portée de main. Hein. Donc c'est quand même assez facile. Ah, je suis allée trop loin. Oh, pardon. Donc là, on est arrivé. Et là, on va faire notre bride comme indiqué sur le tableau. Voilà. Et on fait notre bride. Que nous dit le tableau? On a fait la bride et là il y a une maille serrée. Je fais ma maille serrée et en effet il me reste juste le nœud que là je rentre dans la maille entière et voilà, maille serrée et mon nœud et je coupe. Voilà. Donc là, ça commence un tout petit peu à prendre forme. Si je regarde mon motif, qui est donc le jaune, on a ce trait-là et qui monte. Et quelque part, on a ce trait-là et qui monte. C'est quand on avance un peu plus que vraiment on voit bien. Bon, après, j'ai pris une grosse laine en plus. Allez, ben on continue. Donc là, on va prendre son fil blanc et on voit notre tableau. On fait
Donc notre maille serrée dans la première maille. Voilà. Alors, que nous dit le tableau? Alors, je vous ai mis un post-it pour faire voir que ça vous permet de voir la ligne qu'on est en train de travailler et les piles en dessous. Là, j'ai une bride. Ok. Je fais ma bride. Hop. Donc, ma première maille, elle est là, en dessous. En plus, c'est une brime blanc, donc c'est bon. Jamais avec mon fil jaune, j'irai piquer dans un brin blanc. Et l'inverse. Il faut que quand je fais une bride sur le brin avant, ce soit de la même couleur. Si ce n'est pas la même couleur, vous vous trompez. Hein? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça me dit? Cela me dit 1, 2, 3 mailles serrées. Ok. 1. 2, 3 mailles serrées. Et là, on me dit de faire toute une ligne. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 brides. Et bien, c'est parti. Donc, ici, celle-ci. Alors, qu'on ne dise pas de bêtises. Voilà, 1, 2, 3. Donc, celle-ci, elle est prise. Hein, si on regarde bien en face, hein, là. Donc, je vais à celle-là. Faites attention, hein, parce que ça peut vous induire... ça va être peut-être le plus délicat, on va dire, dans le point. Vous, éventuellement, vous prenez une aiguille et vous vous amusez de temps en temps. Voyez, là, c'est pris, là aussi. Hein? Vous vous amusez un petit peu avec l'aiguille. Après, quand vous allez en faire plein, vous aurez le coup d'œil. Hein? Franchement, c'est comme tous les points de crochet. Hein? Il y en a qui sont un peu difficiles, mais vous savez les faire largement. Hein? Donc, on va faire 9 brides. Donc 3, 3, 6, 7, 8 et 9. Hop. Ensuite, là ça fait 1, 2, 3 mailles serrées et une bride. 1, 2, et 3. Donc en effet, la dernière est une bride. Ok. Donc je vais pile en dessous, je suis. Et on fait la bride. Notre dernier, on rentre vraiment dans la maille et on fait notre nœud. Voilà. Et on coupe. Ça commence à prendre forme. Donc là, on a fait notre rang numéro 5. On va faire le 6. J'enlève mon post-it. Je libère ma ligne 6. Et voilà. Et on va faire celle-ci. Donc je viens de travailler du blanc automatiquement. Je prends du jaune. Ma maille en l'air. La maille serrée dans la première maille. Alors, la ligne 6. 1, 2, 3 mailles serrées et une bride. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et je vais faire ma bride.
Elle est bien jaune, c'est jaune, impeccable. Là, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Que me dit-il? Ensuite, une bride et on finit en maille serrée. Ma bride, hop, et je finis en maille serrée. 1, 2, 3, et ici, ma maille serrée et ça. Et voilà. Donc là, on voit bien le dessin. Tac, 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 tac. Là, on voit un peu la pyramide blanche. C'est le cas. Tac, 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 tac. Et l'effet un peu pyramide blanche. Voilà. Le 6, c'est fait. Maintenant, on va faire le 7. Je décale et c'est parti. Donc là, je prends mon fil blanc. Je rentre à l'intérieur de ma première maille. Donc vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Alors vous avez une autre technique, hein, en mosaïque, hein, qui, au lieu de faire des mailles serrées dans les brins arrière, c'est des mailles en l'air. Mais alors, j'ai trouvé ça très brouillon, très compliqué, non, brouillon, je dirais. En plus, là, pour le coup, on a tendance à se tromper et à dévier au niveau des mailles, parce que c'est en l'air. Enfin, je n'ai pas du tout apprécié. Après, peut-être que vous, vous connaissez avec cette technique-là et qui vous convient. Voilà, ça, après. Mais moi, j'ai adhéré à celle-là et franchement, je m'éclate. La maille en l'air. Et hop, tac. Que nous dit-il? On a trois brides à faire. C'est parti. Une à côté. Alors, des fois, quand vous vous en servez d'une, en dessous, vous voyez, on peut passer des fois. Voilà. Je dis des fois, hein. Pas tout le temps. Voilà. Vous voyez, là, on a un peu de mal. Et voilà. Donc là, on a nos trois brides. Et ensuite, on nous dit trois mailles serrées. Et après, on aura cinq brides. Alors, trois mailles serrées. Un, deux, trois, toujours brin arrière, hein, pensez-y, hein. Et 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Et là, 3 mailles serrées, puisqu'on n'a rien, et 3 brides. Alors, 1, 2 et 3. Et là, en effet, on peut faire 3 brides, puisqu'on a 3 brins blancs. Vous avez aussi des petits points de repère. Hein? Vous regardez avant de piquer.
Et si c'est bon, c'est bon. Et on finit, allez, avec, on va insérer notre nœud. J'adore. Vous vous rendez compte qu'avec deux petits points, ce qu'on peut faire, enfin moi ça m'épate. Cette technique. Ensuite, bon ben, on prend notre jaune, hein, on fait notre routine du début. Ici, on se décale, ça c'est fait. Notre rang numéro 8, voilà. Alors, on va faire 3, 5 mailles serrées. Deux, trois, quatre et cinq. Que nous dit ici une bride? Ok. Ensuite, on va 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on a dit notre bride. Voilà. Que nous dit notre tableau? Je viens de faire ma bride et là je finis que en maille serrée. Allez, maille serrée. Oups. Et je finis avec mon nœud. On vient de finir notre rang numéro 8. On va faire le rang numéro 9. On va prendre notre blanc. Touk touk. Bon, si je dézoomais, ce serait mieux quand même. Voilà. On pince première maille le nœud, hein. Alors, on va faire 5 brides. C'est parti. Alors, avant de commencer, on vérifie. Est-ce que j'ai bien 5 brins avant blanc? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc déjà, vous voyez, avant de faire quoi que ce soit, vous contrôlez que tout aille bien de ce côté-là. 2. 3, 4, 5. Ensuite,
Donc là, on va en fait dépasser tout le motif quelque part pour finir avec 5. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Allez. Deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Et ensuite, on revérifie, hein, on finit avec que des brides. On vérifie. 3, 4, 5. Impeccable. Et c'est parti. Donc, brin avant. Nickel, 5 et je finis avec mon nœud. Suivant. Numéro 10. Alors, là on s'aperçoit, après prenez vos repères aussi au niveau du dessin, par rapport aussi à votre crochet. Là, on va en fait faire deux brides, ben, c'est les deux qui continuent ici. Si vous regardez bien, là, avant, excusez-moi, voilà. Donc, on voit le jaune, on prend des repères aussi avec le motif. Allez, donc, notre jaune. Je cherchais mon crochet. Il ne faut pas être bien loin quand même. Hein. Hop. Allez, le nœud. Voilà. Après. Donc là, on me dit que des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est parti. 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7. Voilà. On décale un chouïa. Après, on a une bride. Hein. Pardon. Une bride, une maille serrée, une bride. Une bride. Hein. Une maille serrée. Et une bride. Et on finit en maille serrée. Bon, après là, c'est un motif qui est très géométrique. Hein. Donc, j'ai pris ce motif qui est très connu pour la vidéo. Après, il y en a des plus compliqués, des motifs plus sympas. Je vous en ferai voir un, vous me direz. Et là, je fais là. À la fin de la vidéo, je vais vous faire voir quelque chose, vous me direz. Donc, vous voyez, ça commence, si on rapproche, ça fait vraiment le motif. Et on va faire notre dernier rang, hop, avec le blanc. Donc, vous voyez que techniquement, c'est facile. Et là, maintenant, ça n'a plus de secret pour vous.
Je finis avec vous, mais quelque part, je suis persuadée que vous avez déjà compris le principe. Voilà. Alors, là, en fait, on nous dit de faire des brides et au-dessus du jaune, c'est des mailles serrées. Donc, en fait, on va faire des brides tout le long ici. Et à ces trois-là, on n'en fera pas. Hein, si on regarde. Allez, c'est parti. Si j'avais du fil, ce serait mieux. Hop. Et là, on fait des brides jusqu'à ce qu'on arrive au motif. Après, vous pouvez compter aussi. Hein. Je vous fais voir aussi de prendre des repères avec l'autre couleur. Voilà. Là, on a nos trois. C'est-à-dire ici, les trois mailles serrées. Et on fait nos trois mailles serrées. C'est comme si on passait au-dessus du motif, sans rien toucher. Et là, on repart tout le long pour faire nos brides. En brin avant, du deuxième rang d'en dessous. Et eh bien les filles, hein, avec cette chaleur, travailler cette grosse laine, comment vous dire? Mais bon, je voulais vraiment que vous arriviez à bien voir les brins. C'est quand même un peu la base. Hein. Donc si j'avais pris un fil minuscule, vous auriez rien vu. Voilà. Il fait tout. Voilà. Donc là, maintenant que j'arrive à ma fin, je fais mon nœud. Et voilà. Aïe. Ah, j'ai fait mal. Et là, vous avez votre motif. Le motif du tableau, enfin du schéma, ben, il est là maintenant. Voilà. Donc quand vous faites quelque chose de long, en fait on répète hein, les points. C'est-à-dire que quand on a fini par exemple là, quand on a fini qu'on arrive ici, ben, ce qui suit c'est ce qu'il y a devant. Et on refait ça. Quand on arrive à la fin, on revient au début et on refait ça. Et ça, ça donne donc toute une ligne du dessin qui suit. Hein. Voilà, ça dépend un peu des dessins. Ça fait un peu comme voilà, je vous donne celui que j'avais fait en tout petit. C'est le même mais en deux lignes et en fait pour faire la continuité, vous voyez, voilà, ça c'est le début et ça c'est la fin. Alors on peut commencer avec un petit bout et quand j'ai fini ici, on a la continuité là. Donc ça c'est un motif. Et on reproduit le motif à chaque fois, mais on ne s'arrête pas. Donc après, suivant les dessins, on a une démarcation ou pas. Enfin, voilà. Donc on peut très bien faire fou. Je vous ferai voir celui que je vous laisse là, la surprise. Allez, maintenant on va. Donc comme je vous disais, maintenant nous avons. Il y a la technique avec les petits bouts. Et après, il y a la technique où on enferme. Ça, on le verra. Une autre fois. Là, on va maintenant faire ça, le côté un peu mimi. Alors, avant de couper, vous allez tout simplement prendre un blanc et un jaune, deux par deux, et vous allez faire deux nœuds. Tout simplement. Hop. Et deux par deux. Voilà. Ici.
Donc là, c'est pas compliqué, on fait deux par deux et de l'autre côté aussi. Hop. Ah oui, j'ai dû louper. Et là, s'il vous en reste un, vous prenez avec celui d'à côté. Hein. Là, mais si vous venez de faire un nœud, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et d'habitude, vous en avez deux par deux. C'est que là, ici, on fait un rang de mailles serrées et vous aurez automatiquement un autre. Hein. Voilà. Mais là, on l'a pas fait parce que bon, c'est surtout pour vous faire voir les bases. Le côté technique. Et on recommence. Deux par deux. Allez, je vous laisse faire et on se retrouve. Maintenant que vos nœuds sont finis, vous prenez, alors, pas un petit ciseau, un long, un grand. Hein. Vous faites la technique comme vous voulez. Vous mesurez, vous tenez, mais dans tous les cas, on coupe un à peu près, hein, à la même, il est vraiment petit le mien. Voilà. Vous coupez à peu près, hein, la même longueur des deux côtés. Bon, ça va être un peu une boucherie parce que mon ciseau est trop petit. Voilà. Donc vous coupez la longueur que vous voulez. C'est pour ça que je vous disais, laissez quand même une certaine marge de manœuvre. Et de l'autre côté, après vous pouvez laisser très long comme très court, à vous de voir, hein, mesdames. C'est vous qui choisissez. Donc à peu près, voilà. C'est vraiment à l'arrache, hein, ce que je fais, je vous le dis. Ne faites pas comme moi, hein. C'est vraiment pour vous faire voir. Ouais, ça va, je m'en sors. Voilà. Et bien, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est super chouette comme technique. Alors, bien sûr, c'est pour moi, hein, qui l'ai inventé. Hein. Ça se saurait. Donc, c'est sympa, c'est facile, on peut faire plein de choses. Le seul truc, c'est voilà, c'est que malheureusement, les tableaux que l'on trouve, ils sont pas adaptés. Hein. Mais, je vous fais une petite surprise. Même derrière, regardez. C'est sympa. C'est rigolo. Voilà. Allez, je vous fais voir ma surprise. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai changé de pièce. Ça résonne un peu, désolé. J'ai fait un chemin de table. Hop. Voilà. Alors, très long, parce que ma table, elle est très longue. Et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que ici, alors là, j'ai fait une démarcation exprès. Ici, vous avez donc un carré avec un motif. Ça. Regardez comme il est tout mimi. Ben, moi, j'aime. Hein. Et j'ai fait une ligne et j'ai reproduit au-dessus. Donc, le motif, il est multiplié ici et on multiplie en haut. Et après, il est multiplié sur le côté. Si ce style vous plaît, voilà. Si ça vous plaît, avec la longueur bien sûr que vous aimez et que vous avez besoin pour votre table, donc ça peut être très petit, hein, ça peut être juste un carré, là, comme ça, avec quatre motifs, ou un fin, ça ce sera à vous de voir. Je vous propose un PDF, hein. Je vous mets le lien sous la vidéo pour pouvoir le faire. Alors, dans le PDF, vous avez absolument tout. Des photos, des explications écrites. Vous avez le tableau que maintenant vous savez déchiffrer. Et cette vidéo qu'on vient de faire pour, comme appui pour vous servir et faire le chemin de table. Voilà, c'est un chemin de table que je propose. Moi, j'aime beaucoup. Bien sûr, vous pouvez faire la couleur que vous désirez, hein. Très coloré, bicolore, tricolore, ce que vous voulez. Voilà. Sachant que moi je l'ai fait ici en coton, vous pouvez le faire en laine, enfin ce que vous voulez. Ce que je vous disais,
le mosaïque on fait avec tous les fils inimaginables. Voilà. Donc le PDF est tout en détail, avec plein de liens, de vidéos, des photos et des explications écrites. Hein. C'est-à-dire que même si vous ne voulez pas suivre le tableau, vous avez toutes les explications pas à pas, comme un simple PDF. Et en plus, vous avez la grille, vous avez tout. Voilà, c'était ma petite surprise. Hein. Et j'espère que vous, voilà, vous aimez ce style-là. Allez, ben écoutez, à très vite. Hein. On retourne à l'origine. Voilà mesdames, vous avez tout. Je vous ai fait ma petite surprise. J'espère que vous avez aimé apprendre cette technique et la découvrir. Il y aura d'autres surprises dans ce domaine-là, en mosaïque. Vous aurez d'autres vidéos pour savoir enfermer, pour faire aussi en rond, parce que là c'est plat. Voilà. Techniquement, vous allez tout savoir. Ce sera au fur et à mesure. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à partager sur les réseaux. Likez si vous avez aimé. Merci à vous. Je vous dis à très vite sur Elilou Crochette. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.